La musique, souvent, me prend comme une mère. Vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. J'ai été pris par la musique comme un marin est pris par la mer. J'ai été pris par les vents de la musique. Je joue d'ailleurs d'un instrument à vent. Je joue du hautbois depuis l'âge de 17 ans. Et je métamorphose le vent en son comme un alchimiste. Ça reste encore mystérieux pour moi. Mais de quelle métamorphose s'agit-il? De celle des sons ou de moi-même? Enfant, vers 8 ans, ma mère m'a inscrit à l'école de musique et je voulais déjà faire un instrument avant, de la flûte traversière. Et j'ai fait du piano. Le piano, c'est une immense lyre couchée. C'est la lyre d'Apollon. Et le hautbois. Le hautbois, c'est le descendant direct de l'holos de Dionysos. L'holos, c'est l'instrument avant des fêtes dionysiaques, c'est l'instrument de la tragédie. La tragédie, ça veut dire chant du bouc, chant des satyres, chant des passions. J'ai donc choisi le hautbois, l'instrument de Dionysos. Il y aurait donc au monde deux formes de musique, celle d'Apollon, celle de l'harmonie des sphères, et celle de Dionysos, celle des passions. Passion. Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, Festival d'art sacré de Lourdes. J'avais 11 ans et je chantais dans un chœur d'enfant. Et après avoir chanté le chœur introductif de cette passion de Bach, j'écoutais très attentivement l'orchestre, les voix solistes, le chœur adulte, quand soudain, dans cette grande nef de la basilique du Rosaire, le son d'un hautbois s'est élevé, s'est mélopé, ce timbre si particulier m'ont enveloppé, entouré, transporté. Puis le ténor a répondu à cet appel du hautbois, puis le cœur, puis moi, c'est mon cœur qui a été pris par cet appel de la musique, par cet instrument, le hautbois. C'est le début de ma passion qui est venu justement avec une passion de Bach. C'est étonnant. Cette passion, c'est venu comme une voix, V-O-I-X, mais aussi c'est devenu une voix, V-O-I-E, ma voix, mon chemin. Et quand je regarde 40 ans en arrière, je me dis que quand le cœur parle et qu'on l'écoute attentivement, vient alors comme une révélation, une évidence. Ensuite, entre cette révélation, cette évidence et la réalisation, il peut se passer du temps, beaucoup de temps parfois, des obstacles, qui, s'ils nous étaient présentés à l'instant de cette révélation, nous feraient fuir à tire-d'aile. Mais pour moi, c'est la magie, notre élan vital, qui sait nous protéger inconsciemment des obstacles à venir. Les parents, eux, avec amour, avec peur aussi parfois, veulent protéger les enfants des obstacles qu'ils voient. Ils en oublient souvent d'écouter l'élan vital chez leurs enfants. Alors pour moi, de cette expérience, je me dis que notre rôle de parent, d'éducateur, c'est d'accompagner cet élan vital chez les enfants, pas de tenter de le détourner. Entre l'âge de 11 ans
Et l'âge de 19 ans, donc, j'ai résisté. J'ai résisté à une voie qui semblait facile, évidente, une carrière dite brillante, être médecin. La résistance, c'est la capacité d'un composant à résister au passage d'un courant électrique en produisant de l'énergie sous forme de chaleur. Et je pense qu'inconsciemment, c'est ce que je voulais produire, de la chaleur émotionnelle autour de moi. Parlons maintenant de résilience, on en parle souvent. La résilience, en physique, c'est la capacité d'un matériau, après avoir été déformé, de retrouver sa forme initiale. Et on peut dire que, depuis mon enfance, je suis sur un chemin pour retrouver ma forme initiale, mon élan vital, mon souffle intérieur, ce qui m'anime, ce qui me fait mouvoir, émouvoir. Les émotions. Est-ce qu'il existe une vraie place pour les vivre, pour les exprimer, pour les partager dans nos sociétés? Elle existe certes par l'art, mais pour moi mis au rang de divertissement. Avançons un peu. J'ai maintenant 21 ans, ça fait 4 ans que je fais du hautbois. C'est ma vie, c'est mon métier, c'est ma passion. Et je suis en Grèce, à Épidaure, dans ce théâtre antique, à l'acoustique parfaite. C'est un matin d'été, il est 7 heures, je suis tout seul. Et dans cet écrin de verdure et de belles pierres merveilleux où résonnaient les grandes tragédies grecques et les comédies aussi, et où l'holos grec, cet instrument avant ancêtre du hautbois, accompagnait aussi ces tragédies et ces comédies. J'écoute. J'écoute le bruit de mes pas dans cet hémicycle. J'écoute le son de ma voix se propager dans cette acoustique parfaite. La beauté de ce moment et du lieu m'étreint fortement. C'est quelque chose d'unique pour un musicien d'être là. Je m'éloigne donc à regret du théâtre. Et là, je me rends compte que je suis dans un ensemble bien plus grand. Un immense lieu dédié au dieu de la médecine, Asclépios. Dans ce lieu-là, je me rends compte qu'on soignait autant les corps que les âmes, que les émotions. Et pour les Grecs, soigner les émotions, c'est par la tragédie, c'est par la comédie, c'est par le théâtre, sous la forme de la purgation des passions, ce qu'ils appelaient la catharsis. Chez eux donc, de l'art à la médecine, de la médecine à l'art, il n'y avait qu'un pas. Et alors à ce moment, je saisis mieux ce que j'avais compris, jeune enfant, que l'art est bien plus qu'un noble divertissement. Il est une façon de se relier à soi-même, de se relier au monde, voire de se guérir. Chez les Grecs, donc, dans la Grèce ancienne, la catharsis des passions, leur sublimation dans l'art, la recherche du beau, est quelque chose d'aussi important que la recherche du bien commun dans le sens moral ou de ce qui est bon dans le sens des choses matérielles. Et si je fais une analogie entre la recherche du bon, du bien et du beau, et les trois états de la matière, le solide, le liquide et le gazeux. De quoi je peux me priver le plus longtemps? Je peux me priver de nourriture solide pendant environ 40 jours, je peux me priver de boire, donc de liquide, pendant environ une semaine, et simplement de quelques minutes sans respirer. La respiration, le souffle, le vent, donc, est quelque chose d'essentiel pour nos corps. Et donc, pour moi, notre souffle intérieur l'est tout autant. Ça fait maintenant bientôt 30 ans que je consacre ma vie à cette recherche du beau par la musique. Il y a là-dedans quelque chose d'une absence de fonctionnalité directe et matérielle.
une forme de gratuité et parfois de grâce quand, comme musicien, on arrive à transformer ses émotions dans le son et que ce son touche le public. Cette recherche du beau, pour moi, c'est aussi savoir le voir dans le monde, autour de soi, dans l'autre, en soi-même. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et aussi, c'est un combat. C'est un combat parce que dans nos sociétés, quel temps, quel espace est dédié à la transmutation de nos émotions, à la sublimation de nos passions, de façon à ce qu'elles ne deviennent pas de la violence verbale, voire de la violence physique, mais plutôt un vent libérateur, un vent de partage. La sublimation en physique, c'est le passage de la matière solide directement à l'état gazeux, à celui du vent. Tiens, tiens. Pour moi, l'art, et donc la musique, peut avoir cette vertu magique de sublimation de nos passions qui peuvent s'enquister dans nos corps pour les libérer dans une larme, un rire, et toujours un plaisir commun de partage de nos émotions. Et nos enfants, où est-ce qu'il existe des piscines de beauté où ils peuvent nager à loisir, où et quel temps ils disposent dans leur école pour se ressourcer, se connecter à leur souffle intérieur, à ce qui les anime vraiment. Pour moi, la pratique d'un art, c'est un moyen de se relier à ce souffle intérieur, à ce qui nous anime, à nos émotions et à nos aspirations les plus intimes. Pour moi, ce chemin de la pratique artistique, c'est un chemin long, c'est un chemin qui demande du temps, qui en compensation procure des joies très profondes. Il y a la joie, bien sûr, physique, sensorielle, ce plaisir-là, ce plaisir émotionnel, voire spirituel. Et puis, si on revient à de la médecine, c'est une façon de mieux connecter nos deux hémisphères cérébraux, le gauche, le droit, de libérer l'imaginaire, de libérer la créativité, l'intuition, tout autant que la raison. Et c'est pourquoi c'est mon chemin et ma conviction profonde qu'il est absolument nécessaire pour nos enfants qu'ils puissent très tôt, dès le plus jeune âge, avoir accès à une pratique artistique. La musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques, toute forme d'art. Et il faut créer dans nos vies et dans celles de nos enfants un temps, un espace et des pratiques pour développer et éduquer par l'art notre écoute, notre regard, notre ressenti, donc par l'odorat, notre goût et notre toucher. Et alors, je suis sûr que soufflera dans nos vies et dans celles de nos enfants un vent de liberté, d'égalité et de fraternité.